Bonjour les pitons, on continue sur Snake Pass, le Let's Play, et vous savez, petit rituel de début d'épisode, on fait le 100% sur ce qu'on a fait juste avant, c'est-à-dire les deux derniers stages du monde 2. Pour l'avant-dernier, voyez, il nous reste un bleu et deux pièces 7. Alors celle-là, on avait testé de la faire rapidement, on avait abandonné. Et là, regardez-moi ça, je suis en train d'essayer d'aller en bas et ma petite queue réussit, ouais. Et là, c'est la panique pour se dire, oh, je veux profiter de ce miracle. Et là, du coup, bah, comme on est sauvé, c'est le moment de faire la pirouette. Ça aussi, on avait tenté. Le petit bleu, là, je l'avais eu, sauf que j'étais mort à la pièce qui est juste après. Donc j'y retourne, le bleu, merci à la queue qui pend. Et là, je prends le temps, parce que l'autre fois, caméra était dans l'axe. J'étais allé un peu vite, j'avais fait le ragamuffin. Donc là, je fais mon petit nœud et je vois que je suis tout en haut. Je me dis, allez, à l'arrache, mon pote, on se prend pas, on se pose question, c'est parti. Et là, il y a la petite manivelle qui permettait de ressortir. Alors, ça, y avait, là, on avait tout, je crois, hein, mais c'était pour montrer. Vous voyez, la caméra était dans le mauvais axe. Du coup, je suis tombé, je me suis bagarré. Je ne voulais pas mourir. Je me dis, je dois pouvoir remonter grâce à cette petite escarcelle qui dépasse là, ce promontoire. Et je me dis, bon allez, je vais peut-être me servir de mon pote, il vient, il m'aide moyennement, mais ça me permet quand même d'aller à la force de ma peau d'écaille. Et voilà, c'est validé, et en plus on atteint 50% du jeu au bout de 7 stages. Et le dernier, alors on commence par de la beauté, petit reflet, regardez, un petit moment d'ambiance. Oh. Et donc il y a deux pièces et je sais plus trop combien de bleus, en tout cas il y en a un ici, vous voyez, un petit fourbe. Et là je me dis... Oh, j'ai trouvé un petit passage, je suis trop content. Oh, j'ai réussi à y aller en plus, allez, ouais. Et en fait, non, c'est le chemin normal. Donc j'étais déçu. Là, derrière les quatre poteaux, pareil. C'est simple, mais il faut penser à aller regarder. Celui-là, un peu plus acrobatique, j'ai eu très peur. Et en plus, tu le valides juste derrière, donc là, t'es content. Ici même, on voit, il y a une pièce là-haut, et on voit même l'autre pièce à droite. Donc on sait tout ce qu'est-ce qu'il y a à récupérer. Une longue, ça s'appelle, ça, glisser comme ça en hauteur. Je me suis fait une pause, j'ai bien fait à mon avis, au milieu, et paf! Plus qu'une seule pièce qui est validée derrière. Et celle-là, vous voyez, il a fait juste fallu la repérer à un autre moment, et on a tout! On va dans l'eau, vous entendez? Ce bruit est chelou, il me fait sursauter des fois, je sais pas ce que c'est un bug du jeu. Et en fait, non! Il manquait un bleu. Et en regardant la vidéo, j'ai vu qu'il y en avait un ici. J'étais pas sûr de l'avoir pris. Et là, j'étais déçu que c'était pas ça. Non, il est où? Et ben, c'est dans ce passage en hauteur. Et c'est pareil, je crois que sur une vidéo, j'avais vu en me revoyant jouer qu'il fallait que j'aille vérifier. Et j'avais oublié. Mais en tout cas, le monde 2 est complètement nickel. Ouh, regardez-moi ça si c'est propre. Je peux me mettre un peu de son. Hey, je suis dans l'ambiance. Est-ce qu'il y a un nouveau décor sur le monde 3? C'était le suspense. De la dernière fois, j'appuie tout de suite. Attention, déception ou enfin un peu de renouvellement dans ce jeu qui devient redondant. Ça charge, ça charge. Ah, la couleur a changé. Il y a eu un effort. Et il y a des trucs bleus partout. Ça a l'air d'y en avoir le même nombre. L'ambiance lumineuse a changé. Par contre, l'environnement, ça a l'air d'être le même. Donc on se dit, bah, ils auraient peut-être pu faire ça pour les autres stages, non? Putain, là, on est sur un délire bleu, hein. Clairement. La musique aussi a changé, je vous laisse écouter un petit peu. On est sur un film d'action, maintenant. J'ai validé mon premier bleu. Du coup, on se dit, attendez, il se passe quelque chose de nouveau. On a l'impression que ça va être plus dur, juste parce qu'il y a cette musique. Qui a un truc vraiment d'action, quoi. Ça, j'attrape. Trop rapide pour moi. C'est un petit peu comme, vous savez, le soir, vous allez vous endormir, puis un moustique qui vient dans votre oreille. Et là, il y a un combat qui s'enclenche entre... Oui, j'ai l'homme, parce que là, ça y est, je suis dans une peau de serpent, là, les gars. Mais dans la vie, les moustiques... L'homme contre la bête, contre l'insecte. Et ben là, c'était le rampant, le reptile face à l'insecte. C'était compliqué, ça, comme puzzle. Il y a une ironie, hein, pour ceux qui ne la détectent pas. Merde, j'avais déjà oublié les boutons. Ça fait au moins 2-3 jours que j'ai pas joué, hein, donc ça y est, moi, je redécouvre complètement. On regarde partout, on essaie d'être au maximum...
Voilà, c'est très bizarre, vous voyez, il n'y a rien et ils te mettent des checkpoints partout. Alors qu'il y a des endroits, genre, bienvenue les plus, bonjour, merci les développeurs. Bam. Très bien, donc là il y a une manivelle, on n'a pas de raison d'attendre puisque c'est pas genre manivelle qu'on utilise une fois pour faire un truc, puis après faut la remettre dans l'autre sens, machin. Vous voyez, ce truc a l'air chaud, mais mieux vaut l'éviter. Bon, quand on avait vu de la sélection du niveau, on imaginait ça effectivement. Vous voyez, je peux pas la remonter ou quoi que ce soit. Donc c'est juste inutile. J'irai bien là-bas au fond d'abord, avant d'oublier, parce que ça doit être évident. Il va me demander de descendre dans rien. J'entends des brillances. Là-bas, il y a un petit truc caché, je vais l'oublier. Là, je l'ai vu, mais je vais l'oublier, bien entendu. Tac, je m'enlève mon écran. Histoire qu'on ait de la batterie jusqu'au bout. En bas, il y a un bord. Ben non, j'allais dire en bas ou en haut, il n'y a rien. Ça va se développer plus tard, ça. Avec la lave, on imagine tout de suite. Ben oui, bon. On est tous des génies ici présents, donc automatiquement on sait ce qui va se passer une heure à l'avance. Bon, on a le checkpoint qui est ici, donc on y va sur le danger de la lave. Et essayer de ne jamais voir l'animation du serpent qui meurt dans la lave. C'est notre objectif, mais rien ne dit que ce sera réussi. Tiens, première escalade s'est faite sans encombre. Une manivelle. Inutile. Allez, j'ai raté le sens que je voulais faire. En fait, j'ai bien fait puisque c'est le bon sens. Avec toujours ce truc où il faut le faire trop longtemps pour rien. Ah, c'était le truc en bas. Le petite plateforme qu'attendait. Si, il veut encore. Donc là, on va pas se faire prier. On y va, hein, tout simplement. Une petite sensation un peu différente quand même. C'est-à-dire qu'ils ont changé la couleur. Ils ont un peu changé la topographie. C'est plutôt bienvenu pour relancer l'intérêt. Même si je suis perdu encore une fois. Je devrais faire que des jeux 2D, moi. Ah, c'est marrant quand même, quand ça a commencé, on voyait des trucs bleus partout. Et quand on avance, bah, c'est moins évident. On avait l'impression qu'ils étaient tous au même endroit et qu'il fallait se ramasser pour les baisser, c'était tranquille. Le jeu jaune. Ah non! Pour ceux qui nous rejoignent, ça c'est l'objectif principal, il y a 3 balises. On les voit ici, tout en haut, et permettre d'ouvrir le passage pour le monde suivant. Sinon, on va être bloqué, je sais pas pourquoi. Un prétexte complètement con pour nous dire faut faire des stages. Là, sur un jeu comme ça, il n'y a pas forcément besoin de justifier, puisque c'est totalement artificiel. Hein. Qui aurait construit cette merde? Donc là, j'ai pas envie d'y aller, puisque j'ai pas sauvegardé, il n'y a pas de checkpoint tout près. Toujours cette technique, j'essaierai bien une fois, mais j'aime pas ce truc où on perd tout et on sait plus où on en était. Donc non, je me note ça mentalement. En bas, c'est du vide. Ouais, donc après, il faudra que je remonte, que je prenne le jaune, machin. On a vu où elle était. Au début de la prochaine vidéo, vous aurez l'acrobatie quand je vais la choper tranquillement. Hop là! Ça rend l'aventure pour vous plus fluide à regarder en plus. Donc voilà, celui-là je le vois une deuxième fois. Je peux peut-être y aller là. Puisque dans ce coin-là il n'y a plus rien. On va descendre. On va le descendre, on va se le faire sans risque. On va vous faire la technique de la queue qui pend. Hop là. Je me suis fait un peu peur puisque ma tête a tapé dans ma queue. Ouais, je peux demander à mon pote. On est un peu lent à agir souvent. Donc. Ah bah en fait non, je pensais qu'on arrivait de par là moi. Que c'était pas spécialement un passage. Donc j'ai bien fait de descendre. Bien m'en a pris comme on dit dans les familles de France. Alors j'avais déjà oublié le truc de resserrer la prise encore une fois. Là c'est étrange, ça donne plutôt une sensation qui colle plutôt que de qui se resserre. Mais c'est efficace, vous voyez, ça m'a permis de remonter. Et là j'ai accumulé des trucs. Là où il y a des risques. Des risques et des périls. J'allais dire que je voulais sauvegarder. Enfin, faire un petit checkpoint quoi. Pour valider tout ce premier bordel.
Hop là. Ici, j'y vais s'il n'y a pas de risque. Si je tombe, c'est pas grave. Je vais juste froisser un peu de gazon. Là, c'est pareil, copain. Voilà. Hop là. Tranquillou. Le centre, on va l'éviter, puisqu'il va nous faire la démo. Moi, j'appelle ça démo, mais c'est une cutscene. La cutscene qu'on va trouver un truc. Qui est inutile et lourde. Là-haut, on a vu briller du bleu. Hop là, copain. Il y a des particules. Là, ils sont venus, les gars. Notre moteur de graphique. Merde. Notre moteur graphique permet d'accumuler un certain nombre de particules. Il nous en reste 627. Trouver un truc pour les placer. Hop. Des lucioles chelou. Ouais, c'est pas mal, c'est parti. Voilà. Hop là. Hop là. Je regarde le bord, Là où il plante des bordels. Là, on voit tout de suite qu'il y a une pierre qui va bouger. À un moment, il y a une manette. C'est le monde des manettes ici. Donc là, typiquement. Ce que je viens de faire, c'est un piège, c'est-à-dire que j'ai pris une petite, un petit truc bleu. Et là, mettons, je me balade, je me retrouve devant la lave, je meurs. J'aurais complètement oublié que je l'ai perdu, ce truc bleu, alors que je l'avais trouvé. Parce qu'il faut faire un checkpoint pour le valider. Bon, pardon, je suis peut-être redondant sur ces histoires, mais ça m'obsède. Non, je la remets dans l'autre sens. Pourquoi avoir fait des manivelles ? On se dit que c'est fait pour un monde d'humains, pour une main qui attrape. Donc c'est pas du tout logique d'avoir construit ça dans un monde si c'est des serpents qui vivent là ou des oiseaux. Personne ne peut manipuler. Et qui l'a fabriqué, lui? Parce que l'espèce de Némésis, c'est plutôt un oiseau. Et ben voilà, c'est ce qu'on avait dit. Donc pareil, oiseau manette. Donc la justification d'histoire dans un truc qui est aussi artificiel, c'est vraiment con. Et ça peut devenir un peu gênant, ridicule. Là, bon, on va y aller plus tard, j'ai l'impression. Pour l'instant, c'est assez circonscrit, l'espace. Ce qui m'arrange plutôt, hein, la linéarité dans ce genre de truc, moi, ça me va tout à fait. Parce que dès qu'il y a plusieurs embranchements, bah, ils s'ajoutent dans mon esprit. Et tant que j'ai pas trouvé le bout quoi d'un des embranchements qui serait une impasse, ben ça reste ouvert dans ma tête. Donc à un bout d'un moment, quand il y en a trop d'ouvert, saturation, explosion mentale. Et là on n'a pas fait de système de checkpoint, ce qui m'angoisse et ce qui me fait faire des choses complètement insensées. Ouais, on va pouvoir s'occuper du petit là, hein. On va essayer de lui faire la technique d'une queue qui pend. Trop tard. Voilà, voilà pourquoi je l'ai tenté. Parce qu'on va pas juste là, hein. Ça aurait été très chiant ça. En tout cas, j'ai été. Tiens, je vais appeler mon pote tout de suite, on va voir. Parce qu'il n'y a pas besoin de pendre très bas la queue. Et maintenant, lâche-moi parce que t'es chiant. Le mec, il se sert de son pote et après, qu'il le jette comme une vieille chaussette. C'est tout à fait mon état d'esprit. Allez, on déambule. Et là, il y a une structure, donc il y a de la merde. Voilà. Et j'ai cru voir, non? C'est de la particule. Alors là, c'est marrant parce qu'on dirait que ça nous emmène ailleurs. Non, c'est juste un rebord. Écoutez, encore une fois, on n'est pas loin d'un checkpoint, donc on y va. Tranquillement. Ça, c'était propre, c'était facile en même temps. Oui, je vous l'accorde. C'était à la portée dans n'importe quel mongolien. Et comme je suis un mongolien, c'était à ma portée. Hop. Ah, cette fois, il n'y a plus les petits piquets en l'air. Ils ont varié la forme. C'est plus gros. Mais il faut encore le tourner trois fois trop longtemps. Je baisse un peu le jeu parce que ça me rend fou. J'ai pas vu ce que ça a fait, du coup. Merde. En face, non, je peux pas grimper. Hein. Merde, j'ai pas vu. Vous pouvez pas me le refaire? Ou alors, ça veut dire qu'il faut revenir en arrière? Merde, je me vois pas aller jusque là-haut. On se le tente. On se tente un délire. Non.
Non. Oh, il a mal. Il a mal, mais il meurt pas instantanément. Ah, oh, je le fais souffrir, ça me fait tellement plaisir. Et c'est un succès, visiblement. Faire mal au serpent. Donc, je suis bien content qu'on ait vu assez rapidement l'animation qui correspond. Parce que dans les piquants, quand on tombait, il faisait juste « Ah !» et il mourait directement. Dès que t'étais assez proche de la tête. Jola, on peut lui brûler la queue. Ah si, on peut revenir en arrière. Ça m'arrange parce que c'est quoi qui bouge? Qu'est-ce qui bouge? Ah! Ah bah oui, bah j'ai bien fait parce qu'en fait je m'étais juste trompé comme un bégole. Top, 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 top. Là on est pas mal. Là on est pas mal. Je me jette comme un beau diable. Ah mais qu'est-ce qu'il me fabrique? C'est quoi ces bruits de laser? Merde. Non mais là c'est moi. Excellent, j'adore. Mais du coup ça me donne envie de le faire tomber tout le temps. Ça peut être problématique à un moment donné. Alors... Ah c'est bien, il m'a laissé ma structure telle qu'elle était. Alors en fait il est un peu chiant celui-là. Parce que resserre ta prise, vous voyez là je suis en resserre ta prise et continue à tomber. Alors, c'est assez étrange comme sensation. Tu peux pas te fixer en fait. J'ai envie de le faire bon là. Qu'on voit bien. Ouais, tu peux pas te mettre t'entortiller et juste attendre et regarder un peu ce que tu veux faire. Parce qu'il continue à se déplacer, à dégouliner. Ou alors la petite partie ronde là dans les cailloux. Est-ce que ce serait pas ça qu'il faut se tenter? Ah, toujours cette caméra nulle. Il a tout le temps peur. On dirait Luigi dans Luigi's Mansion. Et si je monte? Mais non, putain. Bon, ça m'arrange. Si j'arrive à m'en sortir. J'aime pas un jeu où tu réussis par hasard parce que la caméra elle a fait n'importe quoi. Allez, bah, je suis quand même content. Je suis quand même assez content. C'est des trucs en moins à faire dans le 100%. Merde, merde, merde. Panique. Panique. On va regarder d'ailleurs. Aucune pièce. On a tout. Bah j'espère qu'elles sont après. Si, on a une qu'on a vue, donc. Il y en a une juste là-haut. Faut passer par derrière, bah oui, forcément. Par derrière là ou par derrière de l'autre côté? Oh putain! On va se le faire ça. Mais arrête de faire ton bébé. Là il était, puis non. Ah, il y a un truc bleu là-bas. Non, c'est plus loin. Ah, il se bordel va me permettre d'aller en face après. Ok, d'accord. Ce stage là est plutôt agréable puisque je comprends ce qu'il faut faire, on doit aller. Voilà, ça c'est... Non, il veut pas mettre sa tête dans le petit trou, visiblement. Aujourd'hui il est un peu claustrophobe, notre ornithorynque. Hop là, ça c'est fait, au moins on n'est pas fané en pièces. Il y en a une autre donc on sait où elle est. Ah, regardez au bord là-bas, pourtant il me semblait avoir... Écoutez, on va y aller. Ah, je crois que j'ai commencé, je suis pas allé au bout, je me suis dit mais non. Et j'ai été un peu très con-con, puisque en fait, il y avait une pièce. Et lui, il commence à me péter les roustons, mon fasticot là. Petite coccinelle. Je fais ça délicatement, vous avez vu. Ouh. Et on peut se la valider là-bas directement. Ouais, ça me fait plaisir. Je crois qu'on s'est jamais fait le stage, bah ça sera encore pas le cas, à 100% du premier coup. Hein, pour essayer de... Au début j'étais dans une découverte, et après essayer de maintenir un timing, une fluidité pour vous. Pas comme ça, pas de cette manière là. Voilà, maintenant on va pas basculer en bas. Est-ce qu'il n'y a pas un petit bordel encore une fois ?
Il y a un rang. Ah bah d'accord. Moi c'était plus rapide par le haut. Hein. Vous avez vu ma technique? Par là il y a le truc rouge. Je connais plus les couleurs. Alors, on va se le choper. Alors, on a besoin. Encore un cran. Merde. Merde, putain de caméra! Ah si, d'accord, le truc rouge, c'est une sorte de vie, en fait. Comme dans les FPS. C'est chelou d'avoir mis ça. Ici. C'est-à-dire que dans les pics, on comprenait très bien. C'est pas trop bête sens, là. On comprenait très bien que... Alors, on tourne comme ça, et ça fait tourner la structure dans l'autre sens. Non, ce n'est pas logique. Allez, il faut tourner une heure. Fallait faire une autre interface, les gars. Allez, on est reparti pour l'escalade. Ah, le bout de la queue. Qui est en train de fondre? Ouais, j'ai hésité. Voilà. Ah bah, il est là, le rose, je le voyais pas, là. Je suis là. Toujours ces problèmes de vision hyponique. En dessous là. Je suis prêt à mourir pour regarder des endroits là. Encore 4 bleus et il y a une pièce. Encore 2 pièces puisqu'il y en a une donc on a laissé passer. Que j'ai laissé passer. Oui, oui c'est moi. Je prends sur moi ce choix. Oh, Tonton Park. Bon, là, par exemple, typiquement, ce tuyau, vous savez très bien qu'on va... Enfin, on n'est pas obligé de le prendre. Si on glisse dedans, à un moment donné, votre caméra va être perdue. Chaque joueur se retrouve face à cette situation. Vous pouviez peut-être venir mettre un petit coup de pinceau. Donc là, il y a du bordel ici. Est-ce que je monte d'abord ou est-ce que je vais par là? Je vois pas bien ce que je peux faire, donc il y a ça déjà. Le verre étant en face, on va grimper. Hein. Puisque ce sera un passage obligé. Afin de terminer le stage. Voilà, on a ceci. Là, j'ai fait un peu le gogol. Hein. Lâche-moi. Allez, dégage. Tu me sers, mais tu dégages. On va aller tout en haut. Ah, tiens, il y a un bordel. Bien là. À quoi ça va nous servir? Ça. C'est dans l'autre sens. On va voir, on va voir. Monsieur. Aïe. Merde, putain. Ouais, je passe pour un con à cause de ce jeu. Les contrôles un peu chauds. Alors, qu'est-ce que ça fait bouger? Je vois pas. Oh merde! Le truc complètement con. Tu te retrouves face à une manette, tu ne vois pas à quoi elle est potentiellement reliée. Donc tu l'actives. Et ça fait par hasard tomber un truc au... Ouais, tomber un truc et active un truc obligatoire. Putain, le design, c'est juste stupide, quoi. Tu te sens pris pour un con et non pas intelligent comme des jeux où il y a des puzzles qui sont pas forcément durs, mais où t'as l'impression d'être un génie. Là c'est l'effet inverse, quoi. C'est. On te fait appuyer sur un bouton pour ouvrir une porte qui est juste devant. Enfin, voilà. Ça, j'aime pas du tout ce genre de design. Hop, 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 hop. J'ai l'impression d'oublier un truc, mais il me semble quand il y a eu la caméra là-haut, on a vu qu'il y avait que dalle. Donc on va traverser, ça j'aime pas trop les horizontaux comme ça. Hein. Souvent je fais de la merde. Ah, pff, il m'a même pris le bleu. Ah, j'ai tous les bleus. Et c'est validé en plus, ça c'est cool. Hein. Ça c'est assez agréable et plaisant. On regarde toujours les bords. On a le vert qui est ici, là-bas. Parce qu'il y avait un bordel. Parce qu'il nous reste 2 pièces non trouvées.
alors que le stage est assez linéaire. Donc ça crée une angoisse de se dire quand je vais recommencer pour avoir tout, où est-ce que je vais pouvoir chercher. Merde. On tente dans l'autre sens, on tente dans l'autre sens, et ça marche pas non plus, l'angoisse totale. Allez. Bon là ça va, sur ce stage on se gala pas, allez là. En voilà une. On peut se la faire puisqu'il y a un checkpoint. On a encore entendu. Est-ce qu'on est suivi? Le suspense sur l'espèce de boss oiseau là. On a vu son œil hein, la dernière fois. En avant on a vu son ombre, donc on avait pas mal vu la forme. Et là on a vu un œil quoi. Alors on va doucement, c'est le genre de truc où le serpent se fait emporter et après on regrette amèrement. Tac. Ouais, là je l'ai bien fait, je suis reparti direct avant. Et du coup, pas trop d'inertie et c'est impeccable. Voilà, donc ça veut dire que je n'aurai plus qu'une pièce à trouver. Par contre, après, si c'est là-bas, c'est là-bas visiblement, non. On va remonter, on verra mieux. Ou alors, voilà, on est niqué, mais on doit pouvoir sauter de là-bas. Puis si on doit retourner au tout début, nous, les gars. Ah bah non, ça c'est un décor. D'ailleurs, je trouve ça un peu con. C'est pour remplir visuellement les îles comme ça. Mais ça amène une confusion parce qu'en fait c'est juste du décor. Et des fois tu dis attends, y a pas un truc. Bah non, c'est juste c'est relié à rien donc non. Je suis censé refaire tout dans l'autre sens. Si c'est le cas, c'est abruti. Il y a une manette que j'ai pas vue ou quoi. Ah bah si, j'ai vu une pièce là-bas en face. Si, y a bien une pièce sur le sommet. Donc comment on sait où sont tous les éléments, j'aurais plus qu'à les attraper. Mais alors pour revenir. On aurait envie d'utiliser la pierre pour péter les caillasses. Non, le jeu ne fonctionne pas comme ça. Faut pas délirer. Donc, ah bah si, il y a une manette là. Je l'ai pas faite. Hein. Je commençais à râler. Voilà, bah là d'accord. Alors par contre, la pièce là-haut, je me la ferai bien tout de suite, moi. Oh, quoique, vu que je suis obligé de refaire de toute façon le stage. À moins de tout. On se fait un 100%, les gars. Allez, je vous accélère le trajet. Vu qu'il y a du checkpoint, machin, qu'on a vu où étaient les trucs, on se fait tout maintenant. Ça me paraît loin, hein. Le 100%, on va peut-être l'oublier, en fait. Aide-moi un peu. Aide-moi mon copain. Et merde, pourquoi il redescend la tête? Ah, je pensais être dessus. Allez. Ah, c'est ce qui me faut plus de serpents. Peut-être que je fais n'importe quoi. De caméra de merde, c'est chiant. Regardez-moi ça, je touche à rien et elle se barre en sucette et du coup je vois plus du tout ce que je fais. C'est chiant. Ouais, peut-être que faut pas faire ça, mais je trouve ça cool moi. Ah, dès qu'il y a un moment cool, c'est gâché. Bravo, ah bah bravo. Allez, allez. Putain de caméra. Putain de merde, fais chier. Ah, dès qu'on veut délirer, on s'emmerde. Ah mais non, la pièce elle est pas tout là-haut, abruti de con. Oh le mongol, pour ça je l'avais pas vu là-haut, c'est qu'il y est pas, c'est... Si, il y a une petite structure, oh. Une simple... Oh là là. J'étais un peu just, hein. Ouais, on peut parler anglais dans ces cas-là. Simplement une structure, voilà. Au-dessus de la lave pour nous faire peur, mais on a plus peur, non. Plus peur de rien, et ça va dans notre escarcelle. L'autre piècette, elle était vers le début. Je suis peut-être
peut-être bien repartir par là. Donc on retourne vers le début pour la piécette qu'on avait laissée de côté. Bon, là si ça rate, j'abandonne tout simplement. Tout simplement. Un premier nœud, ça ne suffira pas. Regardez-moi cette merde! Pourquoi la tête est repartie de l'autre côté, mon sang de bois? Donc le 100% on abandonne. C'est tellement pénible, j'ai passé un quart d'heure là juste pour essayer. J'ai dû faire 3 tentatives parce qu'il faut 5 minutes pour retourner à chaque fois au truc. Parce que le checkpoint est archi loin. Il l'aurait mis juste à côté. J'aurais pu essayer plein de fois parce que c'est un peu chiant à faire. Ça aurait été agréable d'avoir ce petit défi. Parce que là, c'est juste pénible parce que le bonhomme est quand même relativement lent et mou. Du coup, maintenant je sais qu'il faut que je refasse tout le stage à reprendre les 3 trucs de couleur juste pour cette petite pièce. Alors que j'allais le faire du premier coup sur le premier stage. C'est fort dommage. C'est des erreurs de design, je trouve. Personnellement, que je trouve élémentaire, mon cher Watson. Et ben non, évidemment, tous les développeurs n'ont pas compris qu'il y avait d'autres jeux à faire. Du coup, ça m'a juste énervé là pour la suite. Donc, bien joué, bravo! Et comme là, il n'y a pas de risque, je vais y aller cette fois. Parce que ça, par exemple, c'est le genre de truc que j'ai fait déjà 15 fois et j'ai jamais rien trouvé. Donc, l'autre fois, tout à l'heure là, petit coup d'aide là. Je suis pas allé beaucoup plus loin parce que visiblement il n'y avait rien. Allez. Et vous voyez, que dalle. Bon, moi je me fais ma petite balade. Là ça aurait été malin de mettre un truc par exemple. Eh ben non. Ils vont nous le mettre dans un endroit casse-couille. On l'a bien compris. Merci. Bon, on va quand même vérifier là. Ce petit bord. Obligatoirement. On ne peut pas laisser passer une information de cette importance. Ok. De l'autre côté, c'est pareil. On est obligé de regarder un petit peu. Ouais, non. Là, j'ai peur. On dirait que ça va se péter, non? Oh! Un peu relou, ça, non? Oh, ça va. Il va pas mourir alors que la tête est là. Ouais, je trouve pas ça très marrant le système. Ah, je sais pas du tout s'il va mourir ou pas. C'est le genre de truc que je n'aime pas trop. Écoutez, moi je me le valide. Hein. Ça va. Rien que ça, vous voyez, aller-retour. Fatigant. Mais donc vraiment, je suis en train de me dire. Ce jeu-là, ne surtout pas faire le 100%, c'est le meilleur moyen de se le gâcher. Moi, je l'aime pas trop, hein, là, honnêtement. Avec tous ces moments de galère, de trucs, les allers-retours, là, à cause des checkpoints. Que si peut-être je le faisais juste linéairement, ça redeviendrait sympa. Hein. Donc, je crois qu'on va se faire ça. Et si vraiment ça m'obsède, je me le ferai en off, le 100%. Ah, on prend tous la décision ensemble. Vous avez votre mot à dire. Vous dites non mon pote, abandonne pas. On va te glorifier, je sais pas quoi. Peut-être que, voyez. Mais là j'ai pas envie de continuer à m'échiner là-dessus. Écoutez, là y'a rien. Là y'a une saloperie, on va peut-être pas crever pour ça. Ah, du coup, c'est tellement plus agréable, on passe à la suite. Voilà. Tac. Par là-bas, faut regarder. Vous voyez pourquoi faut regarder. Oh, j'ai cru que je l'avais. Il y a un casse-truc quand même. C'est-à-dire qu'on dirige pas du tout le reste, la queue et tout. Donc mourir pour un bout que tu contrôles pas, c'est un peu désagréable. Ça, on avait dit, on laisse tomber. Tant pis. On va en ligne, quasiment en ligne droite. Et non, puisque
Sinon, on n'arrive pas à avancer. Alors, ça tourniquette, ça tourniquote. Il va falloir faire deux endroits. Donc déjà à droite, obligatoire étude, puisque nous avons la petite borne verte. Voilà, voilà. Oh non, on va falloir attendre une heure. Allez, qu'on soit au moins prêt. Merde, 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 merde. Oh là, les yeux, on a un problème d'œil. Donc là, vous voyez, typiquement, il n'y a pas de checkpoint, donc on va crever. Et alors, juste refaire tout un trajet. Parce que leur jeu était trop court, peut-être, ils en ont enlevé, ou je sais pas, mais. Ça rend le truc juste chiant. Oula, j'ai craqué complètement mon slip. Allez, allez, tu peux le faire ça, ouais, voilà, sans problème. Quasiment. Le truc bleu d'abord, on laisse tomber. Hop là. Merde. Ah, ça serait dommage. J'ai fait. Non, c'est moi, ça c'est pour moi. J'ai fait le gogol. Voyez, on repart là. Et on est fatigué. Hop là, voilà. Du coup, on va. Caméra qui tourne ou qui et qui s'arrête de tourner. C'est très perturbant. Ça, je vois pas où il est. Au-dessus de ma tête. Aïe 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 aïe. Respiration. Ça, on peut le prendre quand même. Non, faut que j'aille sur celui-là, moi, en fait. Non, je m'étais en train de me tromper à moitié, j'ai l'impression. Allez, oui, 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 oui. Voilà. Allez, on est prêt. On est prêt, copain. Ya. Ouais. Ah. Très bien, là-bas, qu'est-ce qu'on a? On monte pour le violet et le jaune à gauche. Eh bien, écoutez, c'est parti. Plus ou moins. Il y a un truc en bas. Allez, putain. Pourquoi tu veux plus? N'oublie pas de prendre ça, donc on va dans le passage secret. Ah, mais il nous faut activer un bidule avant. Mais qui est juste là. Ça c'est vraiment le truc moche, quoi. Ah, la manette est posée là pour faire sortir le poteau. Oh. C'est du design de Google. Hop là. Hop là, au moins. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est parce que j'ai raté que j'y suis allé. Alors marrant, non, en fait, non. Je trouve le truc est juste là, c'est bon. Et on prend quand même ce qui est sur notre passage, on va pas non plus faire les radins ou je sais pas quoi. Hop là. On regarde, j'ai le réflexe, ça c'est. J'aurais toujours cette envie d'aller tout choper comme un foucard. Et ça, j'aime pas trop là. Poteau, ouais, une torsade et ça passe. Le crabe, j'ai pas peur, moi j'y vais. Ah, est-ce que le feu qu'elle a, il nous tue ou pas? On sait pas trop, ça ressemble pas aux flammes, aux eaux de braise. Je suis censé repartir là. Ouais. Je me suis fait un peu peur. Si, j'avoue. Il nous reste un jaune, les amis, qui est en face, en pleine face. Oh, eh. Alors là, vous n'allez pas me croire, mais j'ai fait exprès.
Je sais pas si ça s'est vu, j'ai fait une légère temporisation l'air pour que justement la queue retombe avant. Et potentiellement, j'étais pas sûr hein, quand même, mais retouche cette saloperie bleue. Là, il y a du bonus. On s'en fout complètement maintenant. Oh, je me sens tellement plus léger, les gars. Par contre, le jaune, je crois que c'était pas là en fait. Tac, voilà, bien. Ouais, le jaune il est là-bas, donc. Je sais plus si j'ai validé ce que j'ai pris là. Je vais aller me faire, je crois que dans le coin, voilà. Ne prends pas de risques inutiles et stupides, donc on va ici même. Voilà. Et maintenant, on peut se dire. Oiseau qui va me faire chier. Ça sert à rien ce truc. Ça, si tu passes et que t'en as un, il le fait une fois. Un deuxième, une troisième. Ouais, j'ai envie de me faire un délire. Là, je peux grimper pas ici. Hein. Ça va être plus simple. Tac. La pièce, pareil, en dessous, on oublie. On m'oublie. Ah ouais, on est dans la thématique du serpent de mer. Ouais, mais je voulais pas du tout faire ça. J'ai bien fait de faire un coup de checkpoint. Et maintenant, je sais qu'il faut aller ici même. Enfin, potentiellement, on peut le faire. Parce que je crois que généralement, on revient par là. Hein, que nous, on se le fait en espèce de housse des bizarres. Ah, mais non! Pourquoi la tête est passée en dessous? Ça a permis de choper ça, mais je voulais absolument pas le faire. Et ben, on va quand même se la mettre tranquillement dans notre escarcelle. Et on peut se faire, comme il y a le checkpoint, le fameux truc de la queue qui pend. Non! Ouais, mais pas la. Pas, non, pas la tête qui pend par contre. Non, c'était pas au programme. Hop, on revient. Ah, pas assez. Pas assez, et du coup, je me retrouve en bas. Le virus du sida sur un champignon. Pardon, j'ai craqué. Technique de la queue qui pend. Je la fais mal. Je la fais mal, tout simplement. Il est peut-être un peu plus loin. Et je crois que la première fois, ça m'avait l'air mieux de partir. Hein. Et là, je sais pas pourquoi on se retrouve ici. On a rien demandé. Hein. Écoutez, on le prend. Hein, si c'est pas le coup. Même si on n'est pas sur du 100% à aucun moment donné. C'est sur le chemin. Voilà. Et puis on a Didier. Enfin, coucou à Didier. Et il est perdu dans l'espace, Astronir. Il faut qu'on vous fasse une vidéo là-dessus, les gars. Un jeu qui n'est pas du tout fini et qui est déjà fascinant. Mille fois mieux que celui-là. Et j'ai passé au moins 30 heures dessus. Sur une putain d'alpha. Oh là là, arrête de tourner comme ça, de paniquer. Et toi aussi. Mais non! Toujours Nicotte. Ouais, j'essaie de prendre le bleu alors que je suis pas censé le faire. Je vois pas où il est en plus. Je vais crever. Ok. Bah là j'ai tout. On peut se barrer. Il y a le petit chemin par là. Ouais, il y a le checkpoint. On va tenter ça. On attend qu'il revienne et puis on va. On va crever tout simple. Bah, je vous le dis, je vous l'annonce. Regardez. Hop, on saute. On tente de s'accrocher, mais il refuse. J'ai quoi de me coincer. Oh putain. Là, je suis. Oh non. Psy. Magnifique cascade.
Hein? Je veux entendre les applaudissements là, monsieur. Je mettrai peut-être un ralenti pour cacher cette cinématique inutile. Surtout qu'il nous l'a déjà fait là dans ce stage là, non? Vous en avez pas posé deux déjà? Bref, on n'est plus à une connerie près dans Snake Pass. Nous on est tranquille, ouais! Yes! Voilà, bon, 5 et 2, il reste, c'est pas si dégueu. Mais... Nous, on va s'arrêter là pour cette fois, les amis. Il nous reste normalement 2 stages dans le monde. 3, je vous embrasse. Ah, n'hésitez pas à dire 100% ou pas, machin. Quand je me prends pas trop la tête, moi, je m'amuse plus. Donc peut-être ce sera mieux pour tout le monde. Je me suis explosé la main tout seul sur mon bureau. Je sais pas comment j'ai fait. J'ai très mal. Ça faisait un hématome. J'ai mis de la glace, c'est un peu soulagé. C'est fou, quoi. Juste dans un geste comme ça, on peut se traumatiser à vie, quoi. Pourquoi? Quelle est la physique derrière qui a amené à ça? Qu'ils ont réfléchi, ils se sont dit, si, on va laisser ce truc, que ça peut faire mal. Dans l'évolution, ils pouvaient pas mettre une grosse croûte là, il y a les tendons, il y a tout un bordel, c'est fragile, bon bah mettez un truc, un calot par dessus et hop, bah, bah, plus de problème. Quand je regarde là, je parle au micro hein. C'est le son est ici, l'image est là et le jeu est entre les deux. Et vous êtes là, vous êtes là, vous êtes beau.